La prière ouvre le cœur et l'esprit aux divines réalités et à une plus haute connaissance de soi. J'allume cette chandelle pour la victoire de la lumière, de la foi et de la bienveillance sur terre. Que cette flamme apporte au monde le flambeau de l'illumination et de la libération. Qu'elle éveille les consciences les plus endormies et qu'elle stimule le courage pour ceux et celles qui savent. Que cette flamme se multiplie à l'infini autour de la terre pour embraser les peuples d'un nouveau souffle qui ravive leur flamme intérieure. Nous invoquons le divin pouvoir de l'archange Michaël et de sa cohorte d'anges afin qu'ils chassent les êtres mal intentionnés, les êtres de l'ombre et les propagateurs du mensonge. Que cette légion d'anges entoure la terre du feu de la force et de la justice. Et au nom du Christ et par le pouvoir du Christ, nous demandons l'infinie protection pour chaque âme qui combat les ténèbres et ainsi qu'une divine protection lumineuse et assistance pour celui qui dénonce dans son pays et partout dans le monde le plan mondial contre les peuples. Nous demandons cette divine protection d'un cœur sincère afin que la divine grande loi d'amour, de justice et de miséricorde soit préservée sur terre. Nous demeurons dans la ferme volonté et la foi de l'accomplissement de la volonté de l'œuvre divine sur terre. Amen. Prions la prière de Jésus le Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.